Sans Accord, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Aujourd'hui je vous teste le Big Purse Ice Gum. Donc à l'intérieur de ce pot, on retrouve comme odeur. Ah, moi je trouve que c'est assez ressemblant quand même au chewing-gum Hollywood, à la menthe fraîche, la normale. Ça sent vraiment ce côté eucalyptus, ça sent vraiment bon je trouve. Ouais voilà, il n'y a rien à dire de plus sur l'odeur, hein, ça sent le chewing-gum, c'est plutôt bien reproduit. Voilà, ça sent bon, ça, c'est un peu frais dans les narines. On s'attend à fumer un bon chewing-gum. Donc franchement au niveau de l'odeur c'est pas mal, je vais lui mettre 4 étoiles. Donc aujourd'hui la session va se passer sur la mini-acuité de Orange avec le tuyau Wagner Sleeve. C'est Sleeve, pas Steve comme je disais l'autre jour. Foyer Vortex, charbon instant light naturel 40 mm. Et on va passer tout de suite au goût. Donc on ressent une légère fraîcheur dans la gorge, c'est à peine voilà, si c'est frais. Ça a un tout petit goût d'eucalyptus menthe, voilà, c'est vraiment faible. Et moi je ressens un tout petit peu un goût de réglisse, c'est assez étrange encore une fois. C'est. Ouais, je sais pas, ça prend un peu le dessus et c'est dommage, je trouve. Surtout que voilà, si on regarde la boîte, dessus il y a des chewing-gums, de la menthe, des glaçons. Et ben la menthe elle se ressent à peine, les glaçons, ben, c'est pas très frais, donc c'est un peu dommage, je trouve, au niveau du goût, c'est un peu gâché par rapport à l'odeur. Ouais, le goût est vraiment décevant, je vais lui mettre seulement 2 étoiles parce que voilà, je trouve pas ça terrible. Sinon, pour faire un petit point sur le tuyau, on m'a demandé beaucoup depuis que je l'ai reçu, ben, comment il était. Et ben, franchement, déjà, moi je trouve que la prise en main est plutôt bien, il n'est pas très lourd, il est beau et il tire vraiment très bien. Il tire un peu plus qu'un Amor et que Mekaya, j'ai l'impression. Rien comme ça, voilà, je trouve qu'il tire vraiment très bien, c'est un très très bon tuyau. Voilà, il est lavable entièrement, il se démonte pas par contre. Voilà, il se lave entier, mais franchement c'est un très très bon tuyau. Je mets le couvre-charbon comme d'habitude et maintenant on va passer au maximum de fumée que j'arrive à avoir. La fumée est plutôt belle, j'ai eu des meilleurs résultats sur les autres Big Pearls. Celui-là est un petit peu en dessous, donc je vais lui mettre seulement 3 étoiles. Ouais, en conclusion, par contre le tuyau est assez cher, il ne tient pas sur les tables basses, par contre sur la mienne en tout cas. En conclusion, ce Big Purse Ice Gum, mais pour moi, il vaut pas vraiment le coup. On nous appâte avec un bon goût de chewing gum, mais en fait, il n'y a pas vraiment le goût représenté. Ça a plus le goût de réglisse qu'autre chose, et c'est bien dommage. Donc, il obtiendra la note finale de 3 étoiles seulement. C'est un tabac vraiment moyen à fumer à l'occasion. En tout cas, si ce test vous a plu, pensez à vous abonner, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Pensez également à lire la description, il y aura plein de réponses utiles. Il y aura également mon Facebook, vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous de bonnes sessions. Peace et à la prochaine.